Eh bien, salut à tous, c'est Lerco pour une nouvelle vidéo de notre Let's Play sur Resident Evil 4. Putain, c'est vrai que je suis dans la merde niveau munitions. Et on se retrouve ensemble, excusez-moi, pour notre épisode numéro 15. La dernière fois, nous avions quitté le château après avoir tué Salazar pour arriver sur une île qui respirait le présent, en fait. On a quitté le Moyen-Âge, littéralement, pour faire un bond en avant dans le temps et affronter les mecs qui avaient les armes plutôt récentes, même si on est loin de l'armement que j'ai moi. Impossible de l'ouvrir, elle doit être verrouillée de l'autre côté. D'accord, bien, ouvrir grenade incendiaire, pourquoi pas. Oh, cette musique. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit à l'épisode où on incarnait Ashley. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas maintenant qu'il y a vraiment de la merde qui va nous arriver. Mais bientôt. Non. Alors, c'était pas... Là, c'était pas vraiment une musique. C'était plus une sonorité. Mais cette sonorité, c'est la sonorité du... Tu vas être dans la merde. Donc, des conserves, des bocaux, des denrées non périssables, ça me rappelle les grandes manœuvres de à l'armée. D'accord. Donc, Salazar, enfin Sadler, oh yes, c'est bon ça. Sadler aurait réussi à contaminer, entre guillemets, on va dire ça comme ça, un truc de l'armée. Alors, je vais quand même me remettre avec le sniper. Parce que j'ai quand même plus de munitions de sniper que de munitions de shotgun. C'est dégueulasse. Ok. Je voulais lui faire un réflexe shot. C'est pas passé. La viande est pourrie. Pourtant, je me serais bien enfilé un gros steak. Si tu veux. Je te rappelle que t'as une gamine à sauver quand même. La fille du président. Juste comme ça. Alors, Ben voilà, j'explore. Bon sang que c'est sale. J'explore parce que mine de rien, j'aimerais bien avoir des munitions. C'est pas que, mais je suis un peu en bêche là. Voilà, alors je sais, j'ai tiré dans un barreau. Et alors, je le vis bien. Il y a le monde qui arrive en bas. Allez, viens dé. Alors, à savoir que le gars que je viens de flinguer, c'est quand même un Golgoth à la base. Hein. Bonjour, au revoir. Bonjour, au revoir. Ça va parce qu'ils sont grands, mais ils sont très très cons. Oh putain de merde. Ok, en plus c'est une saloperie comme ça. Voilà, ça c'est fait. Face ce gars. Et vous comprenez maintenant pourquoi je dis qu'elle me tape sur le système, la Ashley. Vous l'entendez gueuler depuis tout à l'heure là. Œil de chat, oui, pierre de la foi rouge. D'accord, bien. Donc, je crois... Sans vraiment me tromper, que ceci peut aller ici. Ouais, bien. Sauf que j'aurais dû le mettre en fait là ou là. Je suis un peu bête, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, c'est pas comme si j'avais déjà plein de thunes, donc au pire. Hein. C'est pas dramatique. Alors, voyons voir. Ouais, et l'herbe jaune, ça sert à rien, donc on prend pas. Et c'est tout. J'ai fait le tour. Bon, eh bien, on avance. Voulez-vous que je vous dise? Pour qu'elle ferme sa gueule. Oh, 1809 mm, je veux. Ashley. J'en connais une qui va y passer. Pardon, excusez-moi.
Alors pourquoi est-ce qu'ils coupent les caméras, sachant qu'ils sont pas forcément au courant que c'est Léon? Donc pourquoi est-ce qu'ils coupent les caméras, sachant qu'ils sont pas forcément au courant que Léon est arrivé au niveau de la salle caméra? À mon avis, ils vont essayer de faire des cochonneries. Enfin, je dis ça, je dis rien. C'est super sale ce que je dis et j'en ai tout à fait conscience. Mais j'assume, voyez-vous. On va avancer un petit peu. Oh non, ne me dites pas que c'est là maintenant. Ne me dites pas que... Non, c'est pas maintenant. Important ça. N'importe quoi, il y a un moment que je redoute réellement dans ce jeu. Mais quand je dis réellement, c'est que je le redoute vraiment. Vraiment beaucoup. Et j'avais peur que ce soit maintenant. Et en fait, ça va, ce n'est pas maintenant. Et... En fait, je réalise qu'il faudra peut-être que j'économise mes balles de sniper. Ok. Oui, j'ai tiré dans la dynamite parce que je suis un beau gosse. La collate. Ça marche plutôt pas mal. Alors, là-dedans, il y a quoi? Une émeraude. Ça m'en fait deux des émeraudes, on est d'accord. Donc ça veut dire que c'est un truc qui se vend comme ça, cash. C'est comme les rubis. Ouais, non, j'ai pas voté. J'ai pas... Sauf que moi, je fais un peu plus de dommages, on va dire, hein, quand je tire. Voilà. On va reprendre le sniper pour l'instant. Car le sniper... C'est le bien. Ah, il y a quelqu'un. Il y avait quelqu'un. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Munition de TMP. Je m'en tape. Herbe rouge, je vais prendre. Parce que, évidemment, ça peut être pratique, hein, l'herbe rouge. Mais je crains fort que ce soit, en fait, que je m'approche énormément de là où je crains qu'on soit. Cette musique, je vous jure qu'elle me tend, cette musique. Oui, bah si, c'est une herbe verte. Je suis bête, je prends. Alors, déjà, on va sauvegarder. Ça, cette musique, vous voyez, elle est bien. C'est-à-dire que je suis en sécurité. C'est-à-dire qu'il ne peut rien m'arriver. Mais cette musique, bordel, elle me tend. Montre-gousset, c'est cool. Cette musique, bordel. Vous l'avez débrouillée. Et ça nous amène de l'autre côté. Là où tout à l'heure, il disait, c'est certainement fermé. Enfin, c'est fermé depuis l'autre côté. Donc, je vais pas m'amuser à y passer. Je crois bien que c'est là. Oh putain de merde, c'est là. Oh putain de merde. Alors, vous comprendrez. Vous allez comprendre. Pourquoi? Pourquoi cette putain de musique? Je ne peux pas la supporter. Vous allez comprendre ma putain de souffrance dans ce jeu. Là, vous dites, oh c'est cool, il donne des missions sniper et tout ça. Oui, c'est pas pour rien. Ah putain, je les entends. Je les entends dans ma tête. Ils parlent dans ma tête. Ils me parlent dans ma tête. Ils me parlent dans ma tête. Et j'aime pas ça. Je vous jure. C'est la plus grosse saloperie de ce jeu, en fait. C'est ce qui fait que ce jeu est absolument génial. Mais c'est ce qui fait que je déteste ce putain de jeu. C'est à cause de ces créatures-là. Oula, petit baisse de frame. C'est à cause de ces saloperies. Ah non, je ne veux pas y aller. Putain, j'aime pas ça. Vas-y, va mourir. Ah non. Toi là, putain de merde. Toi là, putain de merde. Ah, je veux pas. Non, s'il te plaît. Je vous jure, il y a mon médecin qui m'a dit que... Il m'a donné un mot comme quoi j'étais, c'était pas obligé. Je pouvais ne pas y aller. C'est verrouillé, un objet bloque la porte de l'autre côté. Putain de tarasse maudite. La scène de sécurité de la porte. Alors, attention, scène de sécurité de la porte le plus complexe du monde, de l'univers. Voilà, ok. Maintenant, on va mettre le jaune. Oh. Maintenant, on va mettre le vert. Encore le vert, voilà. Et maintenant, on va mettre
Rouge et... Oh, miracle! Paye ton système de sécurité, paye ton énigme, paye ta putain d'énigme de merde. Ah, putain, c'est de ça dont je parle, les régénérateurs. Mémo de Louis, numéro 3. Les créatures horribles telles qu'El Gigante et les Novistadors, ce sont les insectes pour rappel, sont le fruit d'expériences diaboliques et ignobles dont on fait l'objet des sujets autrefois humains. Les Novistadors étaient humains? Tu te fous de ma gueule? D'accord. Un type de créature se distingue nettement des autres, il s'agit des régénérateurs. Régénérateurs. Je vais les appeler régénérateurs parce que je les appelle toujours comme ça. Les régénérateurs bénéficient d'un métabolisme plus élevé qui leur permet de régénérer très rapidement les organes qu'ils ont perdus. C'est génial! Je n'ai jamais rien vu de tel. Cette propriété les rend quasi invulnérables aux armes conventionnelles. Mais comme toute créature vivante, on peut les tuer. Leur corps est plein de plagas qui ressemblent à des sangsues. Cependant, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Seule l'imagerie thermique permet de les repérer. Pour empêcher la régénération, il faut trouver et détruire ces plagas sangsues. Oui, c'est bien pour ça que j'ai vendu la visée thermique il y a quelques épisodes de cela pour essayer de me la jouer normale. Voilà. D'après mes infos, la plupart des régénérateurs possèdent plus d'une plagas sangsue. Pour tuer le régénérateur, il faut tuer chacune de ces plagas sangsues. Putain de merde, c'est une saloperie infecte et... Ah, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est putain de dégueulasse. Et en fait, le truc, c'est que, comment dire, le fait que ça se régénère comme ça, non, ça c'est pas nécessaire, le fait que ça se régénère comme ça, c'est saloperie, moi ça me rappelle le putain de nécromorphe ultime, là. Clé de la chambre froide, yeah. Putain, vous devriez voir ma tête, là. Pourquoi j'ai pas mis la webcam, là? J'ai quoi, là? J'ai quoi? Ouais. Dégage, 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 dégage. Dégage, dégage. Parce qu'on peut pas les tuer, ce saloperie. Ah, écoutez-moi cette saloperie de respiration. Écoutez-moi ça, c'est tellement ignoble, c'est dégueulasse, c'est ignoble, c'est immonde, putain. Ah, oh, je vous jure, je supporte pas cette saloperie. Écoutez, c'est ignoble. On dirait un asthmatique sadique, un pervers asthmatique. Et en plus, vous entendez qu'il n'y en a pas qu'un. Ils m'attendent, ces enfoirés. Non. Non mais, Léon, casse-toi, bordel. Casse-toi. Alors là, c'est simplement pour les retarder, en fait, que je fais ça. C'est verrouillé. Oui, 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 oui. T'inquiète pas, je sais que c'est la chambre froide. Oui. Oh, bordel, c'est pas fini. En plus, c'est ça le pire. C'est que c'est pas putain de fini. C'est pas putain de fini. Ouais, je prends, ok. Ouais, je prends, ok. Mais vous comprenez à quel point... Je supporte pas ces saloperies. Ce sont des putains de saloperies ignobles. Ces corps ont dû être cryogénisés alors qu'ils habitaient... Ils abritaient le parasite. Pas de bol pour eux, ouais. Alors, voyons voir. Examiner, cela doit être un programmeur de carte d'accès. Peut-être que je peux modifier les données de la carte d'accès pour en faire une nouvelle carte. Non, pas encore. Pas putain d'encore. Oui, vous allez dire pourquoi est-ce que je fais ça? C'est pour pouvoir accéder à cette merde. Et cette merde, c'est la lunette thermique. Et que j'en ai putain de besoin pour vaincre les putains de régénérateurs de mes couilles. Beaucoup d'insultes en un seul mot. Enfin, une seule phrase, je veux dire. Ah ouais. Ouais. Ouais, je m'en fous. Il me faut de... Je vais trouver de la place. Je vais trouver de la place. Attends, 30 secondes. Déjà, j'ai une herbe rouge, une herbe verte ici. C'est très bien. Donc, toi, tu vas te mettre là-bas. C'est très bien, ça. Et toi, tu vas te mettre à côté de la lunette, ici. Oh non, 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 pas de suite. Je l'ai pas encore équipé. S'il te plaît, non, laisse-moi le temps. Bordel, saloperie de merde.
Ah, mais cette respiration va l'air trop, putain de Satanas! T'es dégueulasse! Crève! Charogne de mes couilles! Bordel! Ah! La toute-puissance! Oui, je peux programmer ceci maintenant. Yes, c'est cool. La carte d'accès à la décharge! Son putain de glauque à souhait. Ok, loupé. Loupé. Voilà, ça c'est fait. Par contre, celui de droite, là. Et vous pensez déjà que ces saloperies, c'est déjà assez violent ? Parce que le truc, c'est pour l'instant, je les ai bien gérés. Mais en plus, ces merdes-ci ont des membres extensibles. Hein, ils peuvent vous choper à distance. Ce sont des saloperies finies. Alors, pourquoi je retourne là-bas? Parce que je suis un gros maso. Et que, ouais, en fait, je sais pas si c'est une si bonne idée de retourner là-bas. Si... Non. Voilà. Voilà. Alors, je retourne ici pour une simple bonne raison, c'est que... Voilà, la musique, tu te calmes. Parce qu'il me semble qu'il y a des trucs intéressants. Une émeraude. J'ai fait ça pour une putain d'émeraude. Putain, fait chier. Bon. Au moins, voilà. Mais vous comprenez pourquoi la musique qu'il y avait dans cet endroit, qu'il y avait aussi quand je contrôlais Ashley, que je la supportais pas? Mais c'est ça le prix, vous imaginez même pas. Là, vous vous dites c'est bon, c'est pas si difficile que ça et tout. Mais parce que je sais jouer au jeu. Parce que je me démerde à Resident Evil 4. Mais bordel, la première fois que je vous joue à ce jeu et vous tombez contre ces merdes, contre ces saloperies, je peux vous assurer que ça vous traumatise à vie. Ça vous traumatise à vie, les mecs. Je vous jure que c'est vrai. Je suis totalement sérieux. Alors là, c'est le moment un petit peu fun. Attention. Hop là. Comme à la fête foraine. Ah, sauf que là, ça marche pas. D'accord. Bah, c'est quoi? Au pire, hein, c'est pas grave. Il en reste que deux. Donc bon. Mais parce que j'ouvre doucement les portes, vous voyez. Par contre, c'est un petit peu con. C'est moi, en fait. Ouais, je crois qu'ils sont un petit peu cons, mais je le vis bien. Ça va. Ok, donc, ça je prends, je crois qu'il y avait un truc ici, alors, examiner, c'est la salle ordure, peut-être qu'elle mène au niveau inférieur, d'accord. Oui, mais bon. Il me semblait qu'il y avait un truc, genre, prendre ou examiner, je prends ça. Ma foi. Examiner, non mais non, ça, c'est pas ça que je voulais examiner. Voilà, une émeraude, normale dans les ordures. Poseille. Sans putain de pression. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une machine à écrire dans le coin? Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas sauvegardé, en fait, et que j'aimerais bien sauvegarder, c'est juste ça. Grenade aveuglante, ma foi, pourquoi pas. On pourrait pas ce que ça prend, c'est pas énorme. Alors, ici nous avons... munition de 9 mm, je prends... Et sérieusement, je suis plein là? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'autant de grenades aveuglantes? Non. On est d'accord.
Et d'autant d'herbes vertes, pas de suite. Donc bon. Ok, donc on a deux Golgoths devant. Donc les Golgoths, ça va être avec ça, sauf que là, on va utiliser ceci. Parce que mine de rien, les Golgoths, c'est mignon. Ouh, putain, t'es rapide, toi. Ouh, douleur. Eh ben, vous savez quoi? Voilà, ça me fait de la place en plus. Ta putain de gueule. Merci. C'est verrouillé, j'ai besoin d'une carte d'accès, sans déconner, merci mec. Ce qui veut dire que je vais devoir me la recoltiner en plus. Cette chose inutile. Absolument useless. Ok, Ashley. Oh, parade. Ah oui, y en a un qui s'était relevé. Alors à toi, non. Toi, non. Alors je sais qu'il y en a un derrière moi, je vous rassure, je l'ai entendu. Couché. Voilà, moins bien. Alors par contre, le bruit là. Ah, c'est bon, il s'estompe. Ah, putain, ça fait du bien quand ça s'arrête. Enfin, quand ça s'estompe, plutôt. Je veux passer sous cette putain d'escalier. Ah, mission shotgun, tout de suite, là, on s'entend bien, comme ça. C'est bien, ça. Ok, bon, on avance un petit peu. Est-ce qu'il n'y aurait pas une machine à écrire, s'il vous plaît, messieurs, dames? Ah bah si, il suffisait de demander. Sauvegardation. C'est parfait ça, 22 minutes de vidéo en plus. Et pile poil 50 sauvegardes, ça y est, 50ème sauvegarde. Par contre, le truc c'est que... on va changer de zone. Ouais, j'ai bien fait de changer de zone, mais j'aime pas cette zone. À cause de ce qui nous attend. Vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il y avait pire que les régénérateurs? Il y a ce qu'on appelle aussi les Iron Maiden. Mais ça, je pense qu'on le verra lors de l'épisode numéro 16. Vous savez, hein? On va s'arrêter là. J'espère sérieusement que cet épisode-ci vous a plu. En tout cas, moi, ça a bien fait bader de le faire, je vous cache pas. Si cet épisode-ci vous a plu, moi, je vous encourage à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne également. Si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'il y a dans la description de la vidéo, puisque il y a tout ce qui est lien utile, donc Facebook, même si je n'utilise pas beaucoup, Twitter, que j'utilise très souvent, et évidemment Twitch, où je live presque tous les soirs. Donc je vous encourage vivement à me suivre sur ces médias-ci. Oui, on va dire ça comme ça, oui, c'est... oui, c'est ça. Et surtout, comme je dis toujours... bah déjà, j'ai oublié de dire quand même merci beaucoup, hein, merci. Parce que je sais qu'il y a... enfin, quand je regarde les statistiques des vidéos, je vois qu'il y a quand même moins de personnes qui suivent les vidéos de Resident Evil. Mais il y en a quand même, et ça c'est pour vous. Voilà, donc je continue à les faire parce que ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Et que, bah, j'espère que le contenu vous plaît, voilà. Et surtout, bah, comme je dis toujours, comme je disais tout à l'heure, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et à la prochaine. Bye bye.